Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'est passé une bonne semaine depuis ma dernière vidéo. J'ai pu rien faire parce que j'ai tout simplement été cloué au lit. Donc rien de méchant. Il n'y a pas eu trop de casse. Peut-être une courge qui a été en oubli d'arroser. Mais sinon globalement tout se passe bien. Donc j'ai quand même fait quelques petites choses il y a 2 jours. J'ai planté quelques courges, quelques poivrons, quelques épinards. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai beaucoup d'épinards qui... Ça fait... J'espère que c'est pas... Ils n'ont pas fleuri, ils sont pas en train de fleurir et que j'ai fait de la merde. Ça, c'est la première année que j'en fais. Donc, dans mon intro, j'ai essayé de vous montrer un petit peu toutes les nouveautés niveau coloris dans le terrain. Mais aujourd'hui, je vais faire... je vais essayer de faire pas mal de choses. Donc j'aimerais bien m'occuper de la bâche parce qu'ils annoncent encore un peu de pluie là dans les jours à venir. Et du coup j'aimerais bien lui redonner une petite forme un peu plus jolie. Donc je vais commencer par là, et ensuite je vais prendre j'irai chercher mes bottes pour faire là-bas. Parce que là-bas il y a un sacré dénivelé d'au moins 20 cm. Si j'ai le temps, je vais continuer aussi ma tonnelle de bambou. Je vais faire aussi mes bacs, parce que là j'ai eu les réponses de tous mes amis qui prenaient des choses, donc je vais pouvoir faire mes petits bacs, mes petites caisses pour eux. Comme ça il n'y aura plus qu'à les prendre. Ça se passe bien, donc je vous ferai un petit point de global de tout quand j'aurai fini comme d'habitude. Il y a pas mal de petites choses à faire, ne serait-ce que ce bout de goji qu'il faut redresser ici, tout simplement, parce que là dans le passage il vient me faire chier. J'aimerais bien ranger un petit peu dans ma future serre. Je commence à en parler depuis un petit moment, mais l'idée c'est de se servir de cette bâtisse pour en faire une serre. Donc l'idée c'est simple, c'est je vais virer tous les toits, surtout qu'en plus c'est de l'amiante. Donc c'est une terre ici qui a été beaucoup retournée par les poules pendant une époque. Je vais mettre des tôles à la place ici, donc des tôles en plexi. Et je vais faire une porte avec de la bâche, il me reste pas mal de bâche blanche là-bas que je vais pouvoir réutiliser. Et l'idée c'est... Oh, pardon, excusez-moi pour le coup avec le trépied. L'idée ici c'est de faire ensuite une serre un peu... bon, déjà pour mes plans d'hiver, mes plans de l'année prochaine que je pourrais lancer cet hiver. Mais aussi j'aimerais bien, si la température le permet, faire un petit peu une serre... comment dire... un peu exotique. Donc j'ai pas mal de pieds de citronniers, de clémentines qui ont poussé tout simplement avec des noyaux mis dans les pots de fleurs au moment de Noël. Et souvent j'ai remarqué, quelques mois après, vous avez des petites pousses. D'ailleurs j'ai dû en rempoter un quelque part. Si je le retrouve, il est là. Vous voyez, il était là-haut si vous aviez remarqué avant. Donc ça c'est un truc que j'aimerais bien mettre dans la serre. J'ai aussi planté des... alors c'est Rollinia deliciosa. Donc le Rollinia deliciosa, donc j'ai mis 6 graines. Il doit m'en rester encore 4 je crois. C'est un arbre qui fait des fruits exotiques, qui normalement est au Brésil je crois. Bon, il y en a beaucoup qui connaissent pas puisque justement c'est un fruitier exotique. Beaucoup disent aussi que il va pas tenir ici forcément, puisqu'avec les températures négatives ça va pas le faire. Donc si j'ai l'idée, l'idéal ça serait 3 pieds, 3 graines qui lèvent sur les 6, c'est de faire un test. Donc je vais en garder un en terre, je choisirai un endroit ici, un dans la future serre là-bas, hop, là-bas, et un dans la maison. Et je pourrais faire du coup une comparaison des 3 semis avec le différent climat. Et au moins, si ça crève dehors, j'en aurai toujours quelques-uns en stock. Attends, il y a Vika qui gueule. Vika! Ensuite, la brouette, là, bon, il y aura juste la roue à changer. Mais c'est une brouette qui est assez ancienne. Je pense que je vais la recycler dans le terrain, je vais la remplir de terre et je vais mettre, je pense, 1 ou 2 courges là-dedans. Et puis déjà, si je fais ça, j'ai aussi les cacahuètes que j'aimerais bien mettre aujourd'hui. On va préparer le terrain pour mettre mes cacahuètes. C'est pareil, je pense que je vais mettre 6 pieds à un endroit, donc dans le carré que je vous avais parlé, et les deux autres je vais les mettre ailleurs. Je vais faire le test ailleurs. Donc j'ai mis aussi, comme vous pouvez le voir, quelques pieds de tournesol chocolat. Donc il y a beaucoup de choses qu'on plantait, il y a beaucoup de choses qui vont partir chez des amis pour leur faire plaisir. Et je pense que je serai un peu plein partout. Il y a aussi, alors je vais vous montrer un autre endroit que je vais faire. Pas aller trop vite parce que je fais que le trépied et pas les polaires. Donc ici près de la cabane des enfants. Hop. Ah, voilà. Je dézoome, c'est pour ça que ça bougeait beaucoup. J'ai mis de la terre, enfin de l'herbe, et là je pense que c'est pareil, je vais mettre quelques courges, pas trop près du grillage si je veux pas que les poules en mangent. Il y a le pied de pamplemousse qui est bien reparti, le fait de l'avoir, il était sur le bord de ma fenêtre sans se coupe, donc c'est quand même vachement résistant parce qu'il a fait des fleurs qu'il a perdues, etc. Donc je l'ai sorti ici, j'ai rajouté une coupole, il a bien profité de la pluie, regardez, il est en train de repartir au niveau feuillage, et il y a même quelques fruits qui commencent à se former. Alors ne serait-ce que si j'ai un ou deux pamplemousses, ça serait vraiment marrant, ça serait fun. Lui il me fait beaucoup de fleurs, énormément de fleurs, pour l'instant il n'y en a pas beaucoup qui tiennent, bon c'est le début, il repart en feuillage, c'est déjà pas mal. Ensuite, je vais vous montrer le carré là-haut. Vous voyez, même au pied des arbres, hein, ça se porte bien. Pas de soucis. Je pense que cette année, je vais être à un niveau plus haut que l'année dernière. Et là, c'est plein aussi. Donc, il y a de l'amarante, il y a de l'épinard, il y a des fleurs, tomates. Longue de Nice je crois, et poivron. Et si vous me dites, souvent il y en a qui trouvaient ça bizarre que je fasse des pousses de marguerite, c'est parce que j'en ai à l'entrée de chez moi. Essayez de vous zoomer, et ça fait des branches, et du coup des fois il faut tailler des branches pour leur donner une petite forme sympa, et avec les branches j'essaye de faire des pousses. Il y a un petit tour là-haut et puis après je vais vous laisser le temps de travailler. Désolé si ça a pas mal bougé au départ, mais j'avais pas fait attention comme j'ai fait mes plans de scène que j'étais en zoom. Donc là ça va doucement, mais ça prend moins de soleil, donc c'est bien aussi je trouve. Ça permet d'arroser moins souvent, mais c'est superbe, hein, tout a pris. Donc voilà, je vais aller commencer tout ça. Et puis je vous montrerai à la fin ce que j'ai réussi à faire ou pas. Allez, à tout de suite. Donc j'ai été chassé par la pluie tout à l'heure vers 18 h, donc du coup je suis rentré, j'en ai profité pour faire à manger pour demain. J'ai fait sauter la porte, voilà, comme ça c'est une chose de moins. Ici je vais pouvoir virer ma palissade que j'ai fait pour regarnir un petit peu de de rondins de bois et de terre ici. J'ai presque tout réussi à faire. Mais bon, comme d'hab, j'ai pas pu tout finir. Donc il me reste le bois à ranger, petit caillou ici. La bâche, ça donne ça. J'en ai chié, c'est ce qui m'a pris le plus de temps. Je viens juste de finir là. Donc j'ai fait au mieux. Déjà nettement plus joli. La brouette, c'est fait. Donc j'ai mis des œillets d'Inde, une amarante et deux petits marrons. Faut toujours qu'elle se mette à gueuler quand je fais ma vidéo, elle. Bon, nous voilà repartis, c'est bon. Donc là j'ai pas eu le temps, le bambou. Hein. Franchement, il est déjà plus de 9 h, donc je vais me focaliser plutôt sur des... Parce que là, je pense qu'il y en a pour un moment aussi, c'est un peu comme la bâche. Donc je me suis un peu surestimé sur ce coup-là encore. Du coup, j'ai fait quand même tout ce que j'avais dit. Ah oui, des cacahuètes. Excusez-moi, du coup, j'ai perdu le fil un peu. Alors les cacahuètes, j'avais oublié un truc, c'est que dans le pot, il n'y avait pas un pied, mais 3. Toutes les graines sont bien parties. Donc du coup, j'en ai mis 8 ici. Vous voyez, 8 là. J'en ai mis une ici parce que il y avait moins de patates que prévu. Donc j'ai mise là. Alors là, j'ai mis 2 pieds en test dans un pot de 15 litres. Comme vous pouvez le voir, c'est un test en contenant. Normalement, il ne devrait pas prendre trop le soleil, puisqu'il y a le rosier, il y a une fleur ici, tournesol, une tomate, les pommes de terre, là. Donc normalement, ça devrait pas prendre trop le soleil. J'ai même pas eu le temps de faire les... Bon, je vais peut-être en mettre une ou deux là avant de monter, de mettre une citrouille ici, ou deux. Ce qui m'inquiète un peu, c'est vendredi, ils annoncent des tempêtes de 100 km/h. Bon, ça va que les tomates sont pas très grandes, là c'est un peu en creux. Par contre, à mon avis, certains tournesols qui sont magnifiques, ils vont péter. Hein. Ça c'est sûr. Hein. Enfin, je serais peut-être surpris. Mais bon, comme ils sont par individuel, ils peuvent pas s'aider les uns les autres. Donc là, vous voyez, ouais, j'ai même mis des pierres dans le fond, des petites montagnes de pierres, pour faire des petites cachettes, pour toute la faune. J'ai rajouté une plante, que j'avais dans mon récupérateur d'eau là-haut, là. J'ai rajouté ce robinet, je trouve ça fun. Pareil, de la récup. Hein. Là je fais couler, on doit avoir 250 litres d'eau là-haut de récupération. Donc je vais laisser le système en ouverture auto. Donc du coup, dès qu'il va pleuvoir sur le toit de cette dépendance côté droit, ça va venir directement dedans. Et là, vu qu'elle est bien tendue, normalement on devrait récupérer beaucoup plus d'eau. Donc là, l'idée avant de remonter, c'est déjà je voulais vous montrer tout ça. Je vais ranger un petit peu tout mon matériel, les planches, etc. Parce que j'en ai récupéré pas mal. Ça va me permettre de faire le triangle là-bas, là, qui n'est pas fini. Juste là. Je vais bien avoir assez de bois pour faire cette partie-là. Et puis, je vais mettre une ou deux citrouilles. Et puis, je crois que je vais y aller. Hein. J'aurais fait déjà une bonne journée. Ça m'a fait perdre pas mal de temps la pluie, mais bon, dans un sens, j'ai fait la nourriture pour demain, donc ça c'est fait, j'ai pas besoin de voir ça ce soir. Donc voilà, donc là on arrive vraiment, je pense pour cette année, dans les derniers... Enfin, il y a d'autres projets, mais comme la serre, comme le toit végétal là-bas, que j'oublie pas. Là déjà, il y aura un petit peu moins de travail niveau... après plantation, une fois que tout ça va être en terre. Donc déjà, je vais pouvoir ce temps l'occuper autrement. Et alors je vais essayer pour cette année ou l'année prochaine. Donc une serre ici, pour faire partir mes plants, qui sera aussi une serre exotique, entre guillemets. Donc je vais voir si je vais y arriver, hein, avec mes modestes connaissances. Et un toit végétal là-bas, pour qu'il fasse moins chaud dans la cabane des poules, parce que là depuis quelques jours on n'a plus d'œufs, quoi. Alors je sais pas pour ceux qui ont des poules si elles pondent encore chez vous, mais nous on n'a rien du tout. Et puis je pense que pour cette année ça sera déjà pas mal. Donc peut-être une vidéo ce week-end, tout dépend de la météo, tout dépend si on fait des sorties. Ça fait un petit moment qu'on n'est pas sorti là, en fonction de la météo aussi. On est beaucoup dépendant de ça en ce moment. Et sinon ça sera la semaine prochaine. Voilà, là on arrive à un rythme, j'ai plus besoin de vous en faire deux par semaine, à moins que je fasse vraiment des gros projets qui méritent vraiment une vidéo spéciale. Si la prochaine vidéo, je ferai peut-être une vidéo pour tout simplement en dire un petit peu plus sur moi, sur ce que j'aime, sur ce que je fais, etc. Mais ça sera une petite vidéo pépère ici, avec une vue sur, je sais pas, le bassin, le jardin, où je vous dirai tout ça en me promenant, je sais pas encore. Voilà, donc je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt. Allez, tchuss!